Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à un tout nouvel épisode de L'Elo Talk. Je m'appelle Jules Eke Young Zoc. Et aujourd'hui, c'est la récap de la semaine. Le update de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Donc les gars, let's go. On est todia, mais est-ce que vraiment on est todia? Ok. Voilà, nous savons tous qu'au cours de cette semaine-là, il y a seulement eu deux grands trucs qui ont animé vraiment la toile togolaise. Le passage du général Makoso au Togo et la veste de Makoso que Santrinos Raphael a tenue. Et surtout, ce qui a plus attiré l'attention, ce qui a fait plus couler de salive au cours de la semaine, c'est l'affaire Noël et Anna. Onto, nya nya wa. Très bien. Donc, surtout, je vais m'attarder un peu pour une dernière fois sur l'affaire Noël et Anna pour éclaircir quelques points et le bébé de quoi. Tout premièrement, je pense qu'il est temps que nous laissons Noël tranquille, qu'il retrouve sa force et reprenne sa vie à la normale. Mais permettez-moi, Noël, permets-moi pour cette fois, pour cette dernière fois, de parler de cette affaire-là. Deuxièmement, j'aimerais qu'on éclaircisse un truc sur l'identité de Anna. Il y a eu surtout deux images qui ont circulé sur les potentielles identités de Anna. Il y a eu premièrement cette photo-là, que je nomme Anna 1, et puis celle-là aussi que je nomme Anna 2. Retenez bien ceci. Ces deux personnes sur ces deux photos ne sont pas Anna dont il s'agit dans l'affaire de Noël. Anna, ce n'est ni l'une ni l'autre. Anna n'est pas vraiment aucune de ces deux jeunes dames-là. Retenez bien ça, il faut bien qu'on se comprenne, qu'on mette les points sur les i, que tout le monde sache exactement de quoi il s'agit. Les deux personnes, les deux photos-là, ceux qui sont sur ces deux photos-là, ne sont pas Anna. Par-dessus tout, l'affaire de Noël et Anna est bien réelle. C'est vrai, l'identité de Noël, c'est bien ça, c'est vraiment Noël. Et il a vraiment pleuré pour Anna parce qu'elle ne répondait pas à ses bakoroupa. Très bien. Mais au cours de l'affaire, il y a eu beaucoup de notes vocales qui ont circulé adressant le même problème. Il y en a qui ont révélé que c'est l'habitude de Noël de pleurer pour les filles. Et comme quoi même, Anna, Noël ne l'a jamais rencontré. Ils ne font que s'écrire. Très bien. Mais il y a eu d'autres notes vocales encore qui circulent au jour d'aujourd'hui. Ça me fait réfléchir. Écoutez la note vocale. Georgette. Allez, Kafaro. Dernier batteur, il y a cours. Sainte Matira. Sans finesse, non, quoi. Sans finesse, non. Que si à Gamon, on a Kamika, Kafaro, on a 1h, 2h, 3h du matin. Voyez, il y a mon vidé. Vous allez remarquer que la note vocale, la voix dans cette note vocale ressemble très bien à la voix de Noël. Je ne sais pas si c'est Noël ou c'est pas Noël, mais ça ressemble tellement à la voix de Noël. Supposons que c'est le cas. Supposons vraiment que c'est Noël, que c'est la voix de Noël. Les gars, ça ne vous étonne pas, ça ne vous dérange pas un tout petit peu, ça ne vous rend pas confus, parce que ça prête à confusion. Est-ce que si vraiment c'est Noël, serait-il en train de jouer avec nous? Noël serait-il en train de se foutre de nous? Ou bien vraiment, véritablement, il pleure pour une autre fille encore parce qu'elle ne répond pas à ses messages? Ou bien Noël est en train de chercher du buzz? Hein? Parce qu'il est temps de se poser les vraies questions. Parce que je ne comprends pas pourquoi, genre, lui, il ne fait que pleurer pour les filles. Il y a un autre sens ou quoi? Je suis confus. Je ne sais vraiment pas quelle réponse vous donner, mais faites votre jugement vous-même. À part ça, il y a eu une autre note vocale qui est sortie. Qui a vraiment... Et nous les gens les nommés.
Il y a des choses qui se passent à Lomé. Il y a, très franchement, il y a... Hey, écoutez la note vocale. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Hein? Ok, va supplier mes boss, mais les diplômes, je galère trop. On propose un ami, mais bébé, ma soeur, une quête à soeur, une quête à soeur. Mais là, il y a ma soeur. Pourquoi que nous allons venir là? Mais même les Tokyo, mais il y a. Ouais, là. On a chan la cité, quoi, mais les gens, amis. On a chan la cité, quoi, les gens. Mais qu'elle n'a pas au point. On les wifi, gomme. On a zoom, amis. On les wifi, gomme. On a zoom. Quand il fait une bonne histoire, 200, ils sont. 200 t'étais là, si on appelait crédit à eux, amour. Regarde-moi la chose là. Ouais, là. Abibé, poupée, virée. Poupée, virée. On t'a chan, bah, dit, tu peux dire, ouais, n'y a rien, dit, tu peux dire, on zoom, mais nous bonnes les lobes. Nous bonnes les lobes, au moins, ça sert à quelque chose. Toi, tu sais à quoi? Tu sais à rien. Amé qu'elle est mort, elle est affouée quoi. Amé qu'elle est mort, elle est affouée. Au ben y a un passant sous deux enfants vinés. Ouais. Au ben passant sous deux enfants vinés. Oh enfant vinant sous. Oh enfant vinant sous. Bon, on a des boules en coup maintenant mignon quoi nous. Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé c'est quoi Anna. Qu'est-ce qu'on y a? Nous qu'on y a? Nous joue pas Anna. Vous avez écouté non? Voilà. Tout d'abord, la voix. Sur cette note vocale ressemble à une voix qu'on connaît bien. Ça ressemble à une voix qu'on connaît très bien. Butterfly. Butterfly et le Gwindi. Ça ressemble à une voix qu'on connaît très bien. Ah oui. Mais il y a aussi une précision. Parce que depuis la sortie, depuis l'apparition de cette note vocale sur la toile, beaucoup de personnes pensent à Anna. Anna de Noël. Les gars, mon agent infiltré dans les groupes stratégiques de la capitale, m'a révélé, c'est sûr, oh, c'est sûr, très sûr même, blague, que la Anna dont on parle dans cette note vocale-là, ce n'est pas la Anna de Noël, non. C'est Anna, c'est elle. C'est d'elle qu'on est en train de parler dans la note vocale. Donc, les gars, donc comme ça, Loamintoa, c'est devenu un pays ou bien une capitale de la puterie, quoi. Jean pétasse ou quoi le loi, mais il dit quoi? Tiens, c'est pas sérieux! Hein? Maintenant, elles ont même changé le nom du truc. Ce n'est plus des Wacha, des Poclés, de tout ça là. Maintenant, ce n'est plus de la prostitution, mais. L'économie, quoi, les deux, plan. Hein? Donc, quand vous avez changé le nom du métier et vous lui avez donné un nom de plan. Oui, les gars, c'est le nom qu'elles ont donné maintenant au truc. Hein? Ce n'est plus de la prostitution. Mais elles ont camouflé ça un tout petit peu en donnant le nom de plan. Et avec ça, il y en a qui se permettent de rentrer dans moi, mon inbox. Hein? Dans mon inbox, vous me dites pourquoi je partage, pourquoi je parle de cette note vocale-là, pourquoi je joue cette note vocale-là dans mes vidéos. Et tenez-vous bien, si vous ne voulez pas que votre note vocale, votre image ou bien votre vidéo en train de faire de mauvaises choses se retrouve sur les lotoc-là, ne faites plus les mauvaises choses. Ne faites plus ces genres de trucs-là. Ah, oh, Mingbao, Mingbao. Non, on me dit, Beneva, les lotok, du Okwangbao. C'est mieux. Oh, mais si tu le fais là, ne laisse pas que ça fuite et que ça se retrouve sur la toile. Parce qu'une fois que ça se retrouve sur la toile, hein, sur les réseaux sociaux, n'a ma quoi, sois-en sûr. Oh, moi, je vais voir. Oh, ma quoi, il est ma quoi. Et si c'est mauvais, si c'est vraiment nécessaire, hein, je vais faire les lotok avec. Et les lotoc dans le sens, dans l'optique de décourager ceux qui auront l'intention de faire la même chose que toi. Et te décourager toi-même. Parce que quand je vais faire les lotoc avec, et tu vas lire les commentaires dessous là, les camo la co, la zoom les mes doigts, ça va plus t'encourager à répéter la même chose encore. Donc retenez bien que les lotoc que je fais, c'est pas pour me moquer des gens, mais pour les décourager. Parce que si vous regardez bien tout ce que je publie ici, les sujets que j'attaque ici, ce sont genre Amédé Mou Ondegnedo,
quelqu'un a mal agi, s'est mal comporté, il n'y a pas de les filles. Donc, ce n'est pas pour se moquer des gens, mais pour les décourager, pour ne plus répéter ça. Et décourager aussi ceux qui se retrouveront dans la même situation pour qu'ils prennent la bonne décision. Sur ce, je vous annonce la fin, hein, la fin de cet épisode de Lelo Talk. Moi, c'est Jules K. Young Zog. Allez, nous sommes déjà 14 000. Hein. Famille, allez, Keketa. Donc, allez, voilà. Si tu es nouveau, clique sur le bouton d'abonnement. Active la cloche de notification. On garde le contact. C'est Lelo Talk. C'est Jules. C'est Young Zog. Et chez moi, allô. Pas.